Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session pêche. Et non, vous êtes bien, vous voyez bien clair, je suis bien juste devant un palmier, comme vous pouvez voir. Alors je suis pas en France, mais je suis en Guadeloupe, en plein mois de février. Et là il fait quasiment 27 degrés, il fait super bon. Alors je vais faire une petite compile de toutes mes sessions de pêche que j'ai faites en Guadeloupe. Pour l'instant, je suis à peu près à la moitié du séjour. J'ai pris quelques poissons, vous allez voir au cours de cette vidéo. Je vous mettrai quelques images, un peu de plongée, un peu de paysage. Enfin, vous allez voir, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Voilà. Allez, je vous laisse place avec la pêche. Bonne vidéo à tous. Donc là ça y est, on se retrouve dans la mangrove. Alors aujourd'hui j'ai loué un kayak pour l'après-midi. Donc petite pêche en mangrove, au leurre. J'attends le mec qui devrait pas tarder à me ramener le kayak. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc pêche au leurre, j'ai deux cannes. J'ai ma petite canne, 7-21, et ma grosse canne à silure pour essayer de choper des beaux snooks ou des beaux tarpons. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, j'ai toute une mangrove là à faire en kayak. Voilà. Je sais pas où est-ce que ça va derrière, mais il me semble que ça va loin. On va voir ce que ça va pouvoir faire. Pêcher au leurre souple, au leurre dur, un peu au leurre surface. On va voir. Allez, on se retrouve si on fait du fish. Ça y est, le black qui arrive. On va pouvoir y aller. Tu peux aller d'un côté direct, hein, t'inquiète pas, ça va pas. Good. C'est bon. Elle va loin là-bas la mangrove? Ah ouais, elle va quand même loin, mais il y a de quoi faire. Là, tu peux avoir des gros poissons d'un mètre 50 là-dedans. Ah ouais, j'ai bien. Quoi sinon? Dans France, dans le Rhône. J'ai bien fait de prendre la grosse canne alors. Ouais, tu pêches, t'as les leurres ou? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes les tailles de leurre. De 1 cm à 25.
Nickel. Alors, par où est-ce qu'on pourrait commencer? Je vais déjà aller faire un petit tour pour voir ce qu'il y a et jusque où ça va. Tac. Ça a l'air sympa, hein, n'empêche. Il y a plein de postes à pêcher. Je vais avoir le choix. Bon, pour l'instant, je pêche pas trop. J'explore un petit peu la mangrove. Mais là, on arrive dans un coin qui a l'air vraiment très très sympa. On va aller voir un petit peu. Je pêcherai un petit peu plus tout à l'heure. Là, j'observe. En tout cas, c'est vraiment très joli. Ça m'étonne pas que les poissons s'y tiennent bien ici. Il y a des branches de partout. Les brochets, ils seraient ravis là-dedans. Les silures et les carpes aussi. C'est vraiment très joli. C'est un délire. Poisson, les gens. Oh, joli. Petit barracuda. Deuxième lancée. J'ai même pas eu le temps de débarrer la caméra. Sympa. Oh, oh. Nickel, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi vite. Hey hey, tu fais bien plaisir toi. Je vais vite te décrocher. Barracuda de 40 cm à peu près, je dirais. T'es mal piqué. Piqué à l'œil, comme ça, c'est pas terrible. Voilà, parfait. Release. Nickel. Le leurre a déjà bien pris cher, hein. Ça a des super dents ces poissons. Il y a un tout petit barracuda juste ici là, je sais pas si vous arrivez bien à le voir. Juste là. Je vais essayer de passer mon leurre devant mais il le prendra pas, il m'a vu. Hop, il est parti. Oh, c'est derrière. Ah, il y avait un truc derrière, je sais pas ce que c'était. C'était pas un barracuda en tout cas. Pas du tout ce que c'était rayé. On aurait dit comme une perche, mais ici on n'est pas en France, du coup c'est pas une perche, mais c'était rayé comme une perche. Alors là, je viens de prendre une belle tape de barracuda. Je suis vraiment dommage parce qu'il était vraiment sympa, il m'a explosé l'air. Du coup, ce que je vais faire, c'est que il se pique pas sur les hameçons texans. Je vais mettre une tête plombée. Thank you.
des chasses de carangue là-bas. Ah, quoique c'est peut-être des mulets. C'est des mulets, ouais. Donc là ça y est, la vidéo va se terminer. Donc vous aurez pas vu beaucoup de poissons, j'en suis désolé. Mais bon, ça reste un voyage familial, donc j'ai pas pu trop aller à la pêche. Et puis là, je suis sur le port de Saint-François et franchement ça mord pas trop. J'ai fait deux petits poissons. Et sinon voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les liens de nos pages Facebook, Les Pêcheurs de Roumois et la Team Glanis Predator 2607 en description. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao à tous. Ça filme là ? Je veux le remonter, hein, je veux pas le décrocher. Sors-moi les gants qu'il y a dans mon sac. Tu sais, il fait un bruit. Ouais, j'en prends qu'un. Donne-moi l'autre, peut-être un peu. Il m'a mis une petite touffe de merde. Ouah, tu vois ça, moi. Ouah, putain. Alors que... Ah, putain, il a niqué. En dessous. Ouais, un coup de main. Nature.